œnothèque du Mélisème bio. Premier vin, Chaumarnaud, avec cette bouteille. Voilà. Alors, Maréva, qu'en penses-tu? C'est très floral et fruité. Bonne intensité aussi. Bonne intensité, couleur jaune paille. Paille, ça c'est paille. Reflet vert, hein. Mais il est jeune, c'est un 2009, c'est évident qu'il va avoir des reflets verts. C'est quel millésime déjà? 2009. Millésime 2009. Ok, merci. Du Marcellan. Je sais pas quoi en dire. Du fruit rouge, c'est sûr. Non, Nathan, moi je sais pas, je trouve que cerise dedans et genre un peu caramélisé en plus, c'est Maréva, c'est genre gâteau aux fruits ou un truc comme ça. Voilà, un gâteau aux fruits rouges avec, gâteau aux fruits rouges avec un peu, moi je trouve un peu aussi chocolat, donc je dirais un peu de chocolat avec et le caramel au-dessus, quoi, ou de, ouais. Sur le côté. C'est bien, on le compare à la nourriture. C'est but. Non, mais il faut les mots. Au nez, par contre. Au nez, moi, il dit fruit. Au nez, moi, je sens cerise. Non, oui, oui, c'est ça. Cerise, moi, je sens que ça. Ça filme. Filme la bouteille. Filme la bouteille. Elle est où? Donc, on va commencer. J'ai un 2010. C'est donc hop là. Marcellan 2009. C'est quoi? C'est fruit. Et le producteur. Repas du soir au millésime bio 2011. Non, mais devant, c'est pas réservé peut-être. Donc, on est au salon Millésime Bio 2011 et je vais vous faire une dégustation du Piedra Lengoque. Donc, je sais plus le millésime, donc je sais pas si on voit très bien. Et un peu caramel. Nez floral légèrement fruité, Crochesco 2009. Bulle très fine en bouche, très agréable, en même début de soirée. Parfait.